អង្គុយចុះអង្គជំរាបប្រកាសបន្តការយន្តការនីតិវិធីសហការថ្ងៃទី14នេះខ្ញុំមានផ្ដល់វិធានការជូនទៅក្រុមតាមរិវិនមុខតំណាងដើមរងរដ្ឋប្រពៃណីដើម្បីមានឱកាសដាក់បង្ហាញនៅឯកសារគន្លឹះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួម Oui, Monsieur le Président, merci de m'accorder la parole. Bonjour tout d'abord, bonjour à Mesdames et Messieurs de la Chambre et à l'ensemble des partis. Je suis désolé d'anticiper, mais je pense que c'est nécessaire compte tenu de la décision rendue par la Chambre hier. Nous avons parcouru les listes des documents que les co-avocats des parties civiles entendent présenter à l'audience d'aujourd'hui sur l'entreprise criminelle commune. Je maintiens les objections que j'ai formulées hier, mais à la lumière de la décision telle que prononcé hier par Monsieur le juge Lavergne, et je le cite verbatim, c'était donc à l'audience d'hier à 9h22, un petit peu après 9h22. Voilà ce que dit Monsieur le juge Lavergne pour la Chambre. La Chambre considère que les documents qui sont actuellement présentés par le bureau des procureurs concernant les directives à mettre en œuvre dans le cadre de la politique concernant les coopératives et les directives établies au niveau du centre. Donc il ne s'agit pas de la mise en œuvre sur le terrain, et c'est bien cette mise en œuvre sur le terrain qui ne doit pas faire partie de la présentation des documents clés dans le cadre de ce procès. J'interviens à ce stade parce que dans la liste des documents qui nous ont été adressés par les co-avocats des parties civiles, la plupart des documents ont trait soit à des formulaires de constitution de parties civiles qui parlent donc d'expérience sur le terrain et donc de la mise en œuvre de politique sur le terrain, et que dans ces conditions, la plupart de ces documents ne rentrent pas dans le cadre de ce qui est entendu par la Chambre, de ce que j'ai compris de la décision qui a été donnée hier. Donc, je tenais à faire cette observation à titre préliminaire. Je ne sais pas si les co-avocats des parties civiles ont modifié leur liste compte tenu de la décision qui a été rendue hier, mais je tenais à faire cette observation pour que vous sachiez que s'il y a des documents qui ne correspondent pas à cette description, même si, encore une fois, je maintiens que nous sommes dans le cadre d'un procès où, normalement, la sécurité juridique veut que nous ne nous attachions qu'à ce qui était prévu dans l'ordonnance de disjonction, mais en tout état de cause, si les documents présentés par les co-avocats des parties civiles sortent de cette description donnée par Monsieur le juge Lavergne hier, nous allons nous objecter systématiquement. Donc, je tenais à ce que ça soit clair au préalable. Je vous remercie de m'avoir autorisé à prendre la parole. Thank you, Mr. President. Good morning, Your Honours. I would like to add to the submissions of my learned friend on the Curious and Pond defense team also some observations. Maybe we are a bit late making comments on this issue, but it's slowly dawning on us that the way that the prosecution has been presenting documents in respect of the three other policies, the three other JCE policies, could potentially have far-reaching effects if we do not or cannot
comment on the probative value of these documents in respect of those three policies. So we're seeking guidance how we should be proceeding in commenting on the probative value of the documents presented in respect of those three policies, which are not subject technically when it comes to the crime base of this case. Obviously, Tu Po Tre is seen by the prosecution as an implementation of the policy to target enemies. The forced transfer of the population of Phnom Penh is seen as the implementation of a policy in respect of that particular issue. But are we now also expected to comment on the probative value of the documents presented by the prosecution in relation to the other three policies? And if we do not do this, what would be the consequences on that when you are going about to start making your decision at the end of this particular trial 002/1? So like I said, maybe we're a little bit slow in raising this point, but we are quite confused as to what are the effects of the documents presentations in respect of those three JCE policies which are not part in the crime-based scene of case 002/1. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour à tous ici. Je vais répondre à ces deux, cette objection et à cette remarque qui me paraissent assez différentes d'ailleurs leur objet. Et je pense que peut-être M. le procureur qui a également été mis en cause souhaitera répondre. Je vais peut-être expliquer quelle est la démarche des avocats partis civils. Nous devons démontrer l'existence des cinq politiques qui constituent l'entreprise criminelle commune. L'existence théorique, nous l'avons bien compris, et non pas la mise en œuvre, c'est-à-dire que nous ne devons pas entrer a priori dans les détails de la mise en œuvre. Hier, et avant-hier, ce matin, les procureurs ont développé les éléments déterminants de ces politiques, les principes directeurs de ces politiques, les objectifs de ces politiques, et aussi les mots qui étaient utilisés par l'ENCA pour exprimer cette politique. Ça a été évoqué en détail par les procureurs. Ils ont présenté essentiellement des documents évoquant les directives émanant du centre, telles qu'elles sont contenues dans les documents de l'ENCA, dans les écrits. En ce qui me concerne, je vais évoquer ces mêmes directives émanant du centre et tous les éléments qui constituent ces politiques, mais je les évoquerai plutôt à travers les paroles, à travers les choses qui ont été dites et les choses qui ont été entendues par les personnes, quelles qu'elles soient. C'est toujours la politique dans son existence. Ça n'est pas la politique dans sa mise en œuvre a priori. Donc je vais insister beaucoup sur ces aspects-là. Je souhaite cependant dire également qu'il n'y a pas eu une décision de la Chambre hier. Il y en a eu, de mon point de vue, deux. Il y a eu effectivement à 9h. Monsieur le juge Lavergne qui a dit que nous ne devions qu'évoquer les directives émanant du centre, ce que je vais faire, je pense. Et il y a eu, de mon point de vue, une décision implicite complémentaire mais claire, puisque Monsieur le procureur hier a, pendant des heures,
évoqué parfois des éléments de mise en œuvre à travers des rapports, à travers des télégrammes, à travers des procès-verbaux de réunions de la base, à travers des listes de prisonniers, à travers des exemples très concrets de personnes arrêtées, poursuivies, exécutées, torturées, non pas parce qu'il souhaitait démontrer la mise en œuvre, mais parce que quelquefois, la mise en œuvre est complètement liée à l'existence, elle est intimement liée à l'existence de la politique. Il n'y a pas eu d'objection de la défense à ce moment-là. Il n'y a pas eu non plus d'intervention de la Chambre pendant plus de deux heures, malgré l'utilisation de ces documents. Et lui indiquer que le choix des passages que j'ai faits a été fait précisément pour faire ressortir l'existence théorique de ce politique telle qu'exprimée et telle qu'entendue. Donc je me suis attachée à rester dans le domaine de l'existence. Il est évident que les déclarations des partis civils contiennent nécessairement à la fois l'existence de la politique et à la fois la mise en œuvre. Donc les passages que je citerai sont des passages très courts où je m'attache à l'existence et où il pourra arriver que l'existence et la mise en œuvre soient intimement liées exactement de la même façon que ça a été le cas pour monsieur le procureur. Et j'en aurai terminé, qu'une politique se conçoit non seulement par les éléments dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi par son caractère systématique et par son caractère étendu. Ça, c'est l'existence de la politique. Et il est évident qu'il peut arriver parfois, et je pense que c'est ce qu'a fait M. le procureur hier en utilisant certains documents, que la démonstration d'un caractère systématique passe à la fois par la mise en œuvre et par l'existence. Et donc je pense que c'est nécessaire. Je crois par conséquent que le choix des passages que j'ai faits sont très exactement dans le cadre de ce qui a été autorisé par la Chambre et de ce qu'il est nécessaire de faire maintenant. Et de ce qu'a fait M. le procureur hier, que je souhaite faire de la même façon, hier, avant-hier et ce matin, des restrictions qui n'ont pas été appliquées à M. le procureur, à juste titre d'ailleurs. Merci, M. le Président. Je crois que dans cette salle d'audience, on est tous conscients qu'il s'agit ici de présenter des documents qui ont trait à l'existence de la politique. Le conseil vient de le répéter, une politique qui ne serait pas communiquée auprès des autorités locales, qui ne connaîtrait pas de diffusion, resterait une politique théorique. Une coquille vide, une politique élaborée en chambre par les dirigeants du PCK, mais dans ce cas-là, ça n'intéresserait pas la chambre. Elle n'a d'intérêt que si elle est élaborée, qu'elle est diffusée et qu'elle est considérée comme étant une directive ou une politique qu'il fallait obligatoirement appliquer. Deuxièmement, une politique
tel qu'il en existait sous le régime du Cambodge démocratique, je l'ai dit hier, ne peut pas être figé à une date précise, elle évolue. Elle se développe dans certaines directions, avec certains détails qui n'avaient peut-être pas été envisagés au départ. Et donc, il y a des directives complémentaires par rapport à une politique élaborée au départ qui sont communiquées vers la base. Pourquoi est-ce qu'il y a une évolution des politiques? C'est précisément parce qu'il y a interaction entre les dirigeants du centre et les rapports qui viennent du terrain. Ces rapports concernent la mise en œuvre, mais aident la politique à se développer et à prendre d'autres tournures. Donc, dans ce sens, il y a, à mon avis, interaction totale entre la politique elle-même et son application, cette application permettant à la politique de se développer. C'est une discussion générale de politique très concrète et non pas théorique. Alors, troisièmement, l'existence d'une politique elle-même peut être prouvée de différentes façons. Et je parle toujours de l'existence de la politique et pas de la mise en œuvre. Soit on la prouve par des documents du centre, comme on l'a fait, en montrant quelles étaient les directives officielles du parti, par les étendards révolutionnaires, les procès-verbaux de réunion, des télégrammes ou des rapports, des déclarations de dirigeants dans des discours pour établir que la politique existe ou qu'elle était diffusée et qu'elle était obligatoire. Une autre façon de faire, c'est non pas de prouver la politique par le haut, mais plutôt par le bas. Et des décisions de la justice internationale ont accepté qu'une politique puisse être déduite d'un certain nombre de comportements identiques, généralisés sur le terrain, qui montrent qu'une politique devait nécessairement exister à l'échelon national pour qu'elle puisse justement être appliquée partout en même temps par des individus qui, eux, ne communiquaient pas entre eux. Il y a notamment la décision Kunarach en appel devant le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, paragraphe 98. Il y a aussi la décision Blagojevic, jugement du tribunal de première instance, paragraphe 721. Et simplement peut-être pour citer cette deuxième décision, je vais le faire en anglais parce que je n'ai pas la version française sous les yeux. So in this paragraph 721, it says the trial chamber finds that there is evidence of a common plan to commit the crimes of murder, extermination, persecution through capturing, detaining, executing and burying over 7,000 Bosnian Muslim men and boys. The trial chamber infers the existence of such a plan from the fact that over 7,000 men and boys were captured, detained, murdered, and buried in the space of only 5 days. This would not have been possible unless there was a plan and coordination between the members of the joint criminal enterprise. Donc c'est juste pour vous donner un exemple de preuve et de déduction à partir de la réalité du terrain. Alors, une troisième façon de prouver l'existence d'une politique, c'est de combiner les deux, c'est-à-dire de démontrer qu'il existait des documents du centre établissant une politique, ou qu'on pouvait déduire qu'une politique existait des différents discours et des documents du parti, et également l'approuver par le fait qu'en bas, sur le terrain, elle était mise en œuvre partout en même temps. Je ne crois pas que les partis civils
Et l'intention, ça a été répété maintenant, d'aller au-delà de cela. Il s'agit toujours bien de prouver l'existence d'une politique, mais d'une autre façon que ce que nous avons fait dans les jours passés. Merci beaucoup. Monsieur le Président, nous sommes précisément au cœur de ce que j'ai essayé d'éviter lorsque j'ai fait mon objection hier ou avant-hier, à savoir que nous glissions de façon subtile vers un autre procès. Que ce soit clair, nous avons toujours dit devant cette chambre, au niveau de l'équipe, que la seule préoccupation que nous avions, c'était de pouvoir défendre correctement le client, en sachant que ce soit dans le procès 002-1 ou dans les procès qui devront se succéder, en sachant exactement à quoi nous devions répondre. Et là, aujourd'hui, concrètement, ce que et les coprocureurs et les co-avocats des parties civiles vous disent, c'est nous ne pouvons pas parler des trois autres politiques qui ne concernent pas le procès 002-1 sans parler de la mise en œuvre et de son application sur le terrain. Mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau juridique? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous autorisez d'une façon ou d'autre, si vous autorisez la poursuite de ces audiences et de ces présentations de preuves sur des politiques qui ne sont pas concernées par le procès 002-1. Cela veut dire qu'un certain nombre d'éléments de preuve qui ne devraient pas faire l'objet de ce procès 002-1 sont soumis à votre appréciation et que nous sommes censés y répondre, alors même que nous n'avons pas d'éléments de preuve devant cette barre par le biais de témoins qui sont venus discuter de ça, que nous n'avons pas pu contre-interroger sur ces points, que, par ailleurs, nous n'allons pas pouvoir nous étendre dans nos 100 pauvres petites pages de mémoire finale sur des politiques qui ne sont pas censées concerner le procès qui nous occupe. Donc ma question aujourd'hui, c'est comment défendre correctement les accusés si nous devons répondre à la fois à des questions qui sont définies par la Chambre et d'autres qui sont censées être définies dans un second procès. Et c'est précisément pour ne pas arriver à ce stade-ci que j'ai fait mon objection au départ de la présentation des documents. Et je pense que c'était précisément pour ne pas arriver à ce problème-là que vous aviez dans votre décision de disjonction à laquelle vous avez renvoyé, et notamment dans l'annexe que j'ai cité lundi, à laquelle vous avez renvoyé dans votre dernière décision de disjonction 284, que vous avez bien dit que normalement, on était censé se cantonner au transfert des populations et à tout le procès. Parce que c'est logique, quand on va dans un procès et qu'on est censé parler de mode des responsabilités et de crimes, on parle de ce qui a été fixé dans le cadre de la décision de la Chambre. Et donc là, c'est exactement la difficulté dans laquelle nous sommes. Que ce soit clair, je ne pense pas qu'il y ait eu de décision implicite de la Chambre et que l'on ne pense pas que c'est parce que je ne me suis pas levée toutes les 5 minutes que mon objection de départ... Je m'emballe, je vais plus doucement pour que ce soit bien clair dans la traduction, que ce soit bien clair que ce n'est pas parce que je ne me suis pas levée toutes les 5 minutes de ce côté de la barre que les raisons de mon objection de départ ne tiennent pas, que nous ne maintenons pas notre position, que pour nous, il n'y a pas de procès équitable si nous devons sans arrêt glisser d'un contexte et de charges fixées par le procès 002-1 pour ensuite parler de ce qui doit faire l'objet de procès ultérieurs. Et c'est d'autant plus important, encore une fois, pour la légalité et la sécurité juridique que va ensuite se poser le problème des autres procès. Si nous discutons de faits qui, normalement, dont la Chambre n'est pas saisie dans le cadre de cette disjonction, si nous devons, je répète, discuter d'éléments du procès qui ne sont pas concernés en vertu de votre décision de disjonction, quand nous allons devoir parler de ces mêmes problèmes dans le procès subséquent, comment va-t-on faire ?
C'est un problème juridique extrêmement grave, extrêmement important. Et là, clairement, nous avons la démonstration de par ce que viennent de nous indiquer et les co-procureurs et les co-avocats des parties civiles, en train de dire nous ne pouvons pas faire de distinction entre l'existence de la politique et la mise en œuvre, c'est intrinsèquement lié. Et bien, si c'est intrinsèquement lié, c'est normal qu'on doive en parler dans un procès ultérieur tel que la Chambre l'a décidé dans le cadre de sa décision de disjonction. Sinon, à quoi cela rimait-il de faire une décision de disjonction si on ne l'applique pas? Et nous, au niveau de la défense, à quoi devons-nous répondre et quand? Il y a un problème de sécurité juridique qui est extrêmement important. Et vraiment, j'invite à nouveau la Chambre à se pencher sur ce point qui n'est pas un point négligeable, parce que là, nous en venons à l'équité du dossier. Nous n'avons pas fait appel de votre dernière décision de disjonction. Je rappelle que lorsque la parole a été donnée à l'équipe de défense du Queue Sans Pan, le seul point que nous avions mis en avant, c'était le suivant. Nous voulons savoir quelles sont les charges auxquelles nous devons répondre actuellement. S'il y a un glissement vers d'autres politiques, alors là, nous n'avons pas de procès équitable et nous ne savons pas comment répondre. Et c'est un droit le plus essentiel de l'accusé de savoir à l'instant T à quoi je dois répondre. Je répondrai à ça plus tard, mais si à l'instant T, il y a sans arrêt des glissements d'une politique à l'autre, qu'on nous apporte des éléments de fait et des éléments théoriques, il n'y a pas de procès équitable. Et ça, vraiment, je tiens à le proclamer avec force à nouveau. Nous ne pouvons pas opérer ce glissement. Ou alors, votre décision de disjonction n'a pas de sens. Mr. President, for the record, we completely concur with the observations made by the Queue Sans Pan defense team. We are not talking today and yesterday about policies. We're talking about JSAE policies, criminal policies. And like I said before, our client has not been is not being prosecuted, is not being accused in this segment of the trial of having anything to do with forced marriages. That is the implementation of one of those five policies, which is not the underlying issue right now. So we have a big problem if we are now, indeed, in the words of my learned friend, getting slipped into the remaining three policies without having a proper possibility to defend ourselves against them. So, again, we understand the consequences of the severance decision that the two policies underlying the crimes which we are talking about can be discussed. That's why we didn't object to the targeting of long-haul officials, for instance, because that is the underlying policy in respect of two-port trade. But if we're now talking about forced marriages, then of course we have a big problem in case 2/2. Because if you have established a JSAE policy, for instance, in respect of forced marriage, how are we going to deal with a obvious bias from your side in respect of the crimes which are the consequence or the implementation of this policy? So, we are in a different, very difficult situation now, and we are now realizing, it seems, the consequences of the severance decision. Of course, we have appealed it, but now it comes for us completely clear that when we are discussing those other three policies, and not as well the evidence in respect of the crimes which are the implementation of it, we have a big problem in this situation. មានបញ្ហាថ្មីទេឬក៏បញ្ហាដដែលបញ្ហាដដែលយើងបានខ្ញុំតោះតវ៉ាគឺលើកឡើងតែម្ដងទេលោកតំណាងថាប្រញ្ញាបើពុំប្រជុំនោះទេយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានទេលោកតំណាងថាប្រញ្ញាយល់ទេបើមានបញ្ហាដដែលគឺអង្គជំនះមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកលើកទៀតទេពីព្រោះអង្គជំនះបានជម្រាបហើយការតបទៅនឹង
Merci, Monsieur le Président. Je voulais revenir pendant 30 secondes sur cette nouvelle question, sur cette même question telle qu'elle a été, telle qu'elle a été répondue par la défense. Suis-je autorisé à parler ou... Je voulais simplement dire, Monsieur le Président, que cela fait des mois que toutes les parties savent que cette présentation sur les documents aura lieu à un moment ou à un autre et que nous avons toujours dit que nous ferions une présentation des documents sur les cinq politiques telles qu'elles figurent dans l'ordonnance de clôture, paragraphes 156 à 159. La question que nous débattons maintenant, c'est uniquement la façon de pouvoir présenter l'existence de ces politiques. Nous ne cherchons pas à demander à la Chambre d'étendre le procès 002-01. Ce n'est pas ça la question. Merci, M. le Président.
Thank you, President. The Chamber acknowledges that documents which parties may wish to emphasize during the course of this hearing on key documents may contain information that tends to point both to the existence or development of a policy and to its implementation. However, the Chamber wishes to emphasize that the parties have the right to comment on any aspect of the documents that have been referred to during this hearing as to their relevance and probative value, and the Chamber will make those determinations in the course of its verdict. It is necessary, however, to emphasize that case 002/01 includes policies only insofar as they exist or have been developed, and that the implementation of policies other than the evacuation of the cities is irrelevant to that case. President, I think that's the extent of the ruling. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Comme à mon habitude, je vais lire de courts extraits, mais je ne les afficherai pas. Je donnerai bien sûr les ERN à chaque fois. Je vais donc commencer par la politique concernant la création des coopératives et des camps de travail. Et je voudrais en premier lieu insister sur l'élément déterminant qui a été évoqué hier par messieurs les procureurs et qui explique que cette politique avait été créée pour développer la production de certaines denrées et pour développer également certains chantiers. Donc je voudrais d'abord citer le document D22/1102 à l'ERN en français 00861668, anglais 00839950, ERN Khmer 00518426. Cette partie civile qui est à ce moment-là à Kampong Speu indique ceci, je cite:
ne m'a affecté aux travaux dans les rizières. Cette fois-ci, je devais repiquer des semis de pépinières. Le camarade Neun a exigé que j'arrive à repiquer 120 gerbes de semis par jour. Si quelqu'un n'arrivait pas à atteindre son objectif, sa ration de soupe de riz allait être diminuée. Dans ce cas, moi-même comme les autres habitants, on a dû travailler sans arrêt. Un peu plus loin, cette partie civile dit, sous ce régime, il y avait un slogan qui disait « Si on te garde, aucun gain, si on t'extirpe, aucune perte ». J'exprime ici le discours des Khmers rouges à l'égard de la population. Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, là encore, première partie de la citation de ma consoeur a à voir avec la mise en œuvre, absolument pas un lien avec la politique. Elle se serait contentée de citer le slogan, je n'aurais peut-être pas objecté, mais là je suis obligée de dire que si nous devons avoir des parties de lecture de documents qui n'ont rien à voir avec les politiques. Encore une fois, ce n'est pas parce que je reprends la définition de la Chambre que j'agrée et que je renonce à mon objection de départ, mais en tout état de cause, si c'était le slogan que ma consoeur souhaitait mettre en avant, il fallait qu'elle cite simplement le slogan de cette partie et non pas tout un rapport sur l'application ou la manière de repiquer le riz qui n'a pas de rapport, encore une fois, avec la politique telle que nous l'avons souligné tout à l'heure, à savoir des directives générales du centre. Monsieur le Président, je viens de citer un extrait dans lequel il est dit qu'un Khmer rouge exige une certaine quantité de production. C'est la transmission, c'est l'expression d'une politique qui est donnée aux habitants d'une région. On leur dit, voilà la politique, vous devez repiquer 120 gerbes de semis par jour. Et si vous ne le faites pas, si vous n'atteignez pas cet objectif, vous aurez moins de nourriture. C'est l'expression par une personne, un cadre probablement de bas niveau, d'une politique qui vient directement Monsieur le Président, je ne sais pas si je suis autorisée à répondre, mais là nous sommes dans le serpent qui se mord la queue. Si on est en train de nous expliquer que pour prouver la politique, il faut démontrer la mise en œuvre, on est complètement en dehors de la décision que vous avez rendue. Est-ce que ça veut dire que la décision que vous avez rendue n'est pas applicable? Je ne sais pas. Mais en tout état de cause, si on est en train de nous expliquer que la mise en œuvre de la politique, c'est la preuve de la politique, dans ces cas-là, on va présenter de la preuve sur l'intégralité des politiques concernées et non pas uniquement les deux concernés par le procès 002/1. Je ne sais pas si c'est un paradoxe qui est insoluble, mais en tout cas, là, impossible en pratique de se cantonner à ce qui a été prévu par la Chambre.
ឬក៏តម្លៃនៃផ្ោះតាំងដែលអង្គជំរះបានណែនាំនៅក្នុងអនុសរណៈរបស់ខ្លួនរួចហើយជាវាមានការបង្អាក់គ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះគឺមិនអាចទៅមុខរួចទេគឺអាចលើកឡើងជារួមឬក៏លើកឡើងតាមករណីជាក់ស្ដែងនៃឯកសារនីមួយៗដែលភាគីខាងចោតប្រកាន់បានដាក់បង្ហាញនេះសូមតំណាងមេធាវីនមុខតំណាងដើមនឹងរដ្ឋនេះបន្តទៀត Merci, Monsieur le Président. Je vais passer au document numéro 2, qui est un document D22/152. C'est encore une déclaration d'une partie civile, et d'ailleurs, je précise tout de suite que je ne présente que ça. L'ERN de la phrase que je vais citer est à l'ERN français 00905152, ERN anglais 00414896, ERN en Khmer 00368784. Cette partie civile explique, et ce sera très court, je cite, « Les Khmers rouges convoquaient des réunions la nuit au cours desquelles ils donnaient des directives, ouvrez la parenthèse, 3 tonnes par hectare, etc. Fermez la parenthèse, fin de citation. » Concernant ensuite le développement de l'irrigation dans tout le pays, qui est un des objectifs sur lesquels messieurs le procureur ont insisté hier, je voudrais évoquer le document D22/2066. À l'ERN français 00894013, anglais 00 89 09 70 et 71, Khmer 00 54 45 36. Cette partie civile, qui est un enfant au moment des faits, décrit dans sa constitution de partie civile que toutes les personnes ont dû être affectées à la construction de diguettes, de fossés, et qu'ils étaient déplacés d'un endroit à l'autre pour continuer d'ériger des diguettes et des fossés. Je ne ferai pas de citation particulière de ce document. Concernant toujours le développement de ce réseau d'irrigation, je voudrais citer le document E3/1676. Il s'agit d'une partie civile qui est à ce moment-là dans la région de Kratié. L'ERN français est le suivant, 00-81-14-56, anglais
Khmer 00 49 68 4 2. Cette partie civile dit ceci, et je cite, des Khmers rouges, dont je ne connais pas les noms, ont ordonné d'ériger de diguettes de rizières, de couper dans les forêts de grands arbres et de roseaux au moyen d'une houe. Pour l'endiguement des rizières, les Khmers rouges nous ont posé une condition absolue selon laquelle il nous fallait construire entre guillemets une diguette de 50 mètres de longueur, fermez les guillemets, par jour, sous peine de disparition. Fin de citation. Toujours sur cette question d'irrigation, je voudrais citer le document D22/1954 à l'ERN français 00 54 08 71, anglais 00 85 31 59, et Khmer 00 555 779. Cette partie civile dit ceci, je cite, une partie du riz a été prélevée par le gouvernement. Après la saison de la récolte, les gens célibataires et en forme sont envoyés construire des barrages d'eau et des canaux. Monsieur Pong a vu, au cours des années, les heures de travaux forcés augmenter et les rations offertes par le gouvernement diminuer. Les gens ont accepté au début de travailler à construire le pays, mais le doute s'est installé au cours des années. Je voudrais enfin, en ce qui concerne cette question de l'irrigation, du développement de l'irrigation, qui est un objectif, citer le document D22/195 à l'ERN 00 89 8 0 4 9 en français, pardon, et suivant, ERN anglais 00 43 43 05 et 06, ERN Khmer 00 39 77 8 0 et 8 1. Cette partie civile était située dans la région de Svei Rieng au moment des faits. Elle décrit les travaux d'irrigation, de rizières, de construction de barrages. Elle dit ensuite, je cite, mes enfants ont été envoyés dans l'unité des enfants. Fin de citation. Et elle dit un peu plus loin, je cite, nous devions défricher 20 ares de terre par jour au risque d'être exécutés. Si nous n'atteignions pas cet objectif, nous ne recevions pas de ration de riz. Je voudrais maintenant évoquer la déclaration d'une partie civile concernant la construction du barrage du 1er janvier, qui était aussi un objectif de la politique de création des coopératives, telle que décrite hier par Monsieur les coprocureurs. Je vais citer le document D22/1947A à l'ERN français 00 90 51 55, anglais 00 8 5 1 2 6 4 et 6 5,
Khmer 00 57 81 35. Cette partie civile qui est à ce moment-là à Kampung Thom indique ceci. Plus tard, les Khmer Rouges du village m'ont transféré pour aider à la construction du barrage du 1er janvier à Kampung Thom vers le début de l'année 1977. À ce moment-là, les Khmer Rouges responsables locaux, dont Song Sien, avaient reçu des ordres des instances supérieures pour affecter des centaines d'hommes au chantier du barrage du 1er janvier à Kampung Thom. Fin de citation. Monsieur le Président, j'ai encore un document sur cet élément déterminant de la politique. Est-ce que je peux continuer? Je voudrais donc citer le document D22/129. Il s'agit d'une partie civile qui se trouvait à Kampung Chnang et qui évoque l'aéroport de Kampung Chnang. Le RN français est le 00 90 98 41. En anglais, 00 39 83 44. Et en Khmer, 00 36 50 48. Cette partie civile indique: on m'a ordonné de creuser les canaux, construire les diguettes dans les environs de Boeng Cheung Ek. À ce moment-là, l'Ankar m'a obligé à travailler jour et nuit et me donner seulement une louche de soupe de riz par repas. Présumé d'être impliqué dans le régime de Lon Nol, on me surveillait tout le temps. Et un peu plus loin, cette partie civile dit ceci: en 1977, on m'a transféré à l'aéroport de la province de Kampung Chnang pour extraire les pierres de la montagne. J'y ai travaillé jour et nuit jusqu'à la fin de 1978. Fin de citation. បាទអរគុណលោកស្រីមិត្តវិញនៅមុខតំណាងដើមរដ្ឋនីឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ហើយខ្ញុំប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចសម្ការសម្ការហើយបង្កប់ឲ្យអនុរិយអន្តរជាតិគុំឃាំងនាំខ្លួនលោកខៀវសំផនទៅកាន់បន្ទប់រងចាំទៅខាងក្រុមសាធារណការនេះហើយនឹងឲ្យនាំខ្លួនគាត់ មកចូលរួមសកម្មភាពនៅក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះវិញនៅរសៀលនេះហើយបានមុនម៉ោង 1:30 នាទីសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រុមជួយ